c'est un salon qui est destiné aux professionnels. L'idée étant que durant 4 jours, ou du moins les 2 premiers jours, 180 exposants qui auront fait le déplacement de 25 pays pourront venir se rencontrer, échanger, débattre, etc., faire du business, etc. Voilà, il y a une partie exposants que je vous ai exposée, et puis nous avons une partie aussi, Africa Sports Expo, c'est aussi des conférences et des débats, puisque nous avons une centaine d'experts internationaux qui font le déplacement à Casablanca, qui sera pendant 4 jours la capitale du sport africain. Nous sommes également un événement grand public, nous ouvrons samedi dimanche au grand public, parce que nous avons pour vocation de promouvoir, ou du moins participer à la promotion du sport au plus grand nombre de Marocains, voire Africains. Nous avons, comme j'ai expliqué, un pays invité d'honneur qui est le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? C'est très simple, parce que nous avons des relations très particulières avec ce pays. Et deuxième chose, c'est que le Sénégal est un des pays en Afrique qui connaît une réelle dynamique dans tous les domaines, mais particulièrement aussi dans le sport. Nous entretenons des relations extrêmement étroites avec le Maroc, ce qui dresse un contexte général extrêmement favorable. Deuxièmement, cet événement nous offre une opportunité évidente de visibilité de notre pays, de ce que nous faisons de notre pays, dans notre pays. Et enfin, cela nous donne l'occasion de faire un peu, très rapidement, le point sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 qui sont prévus au Sénégal, comme tout le monde le sait, en 2022.